Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche à 11h en direct sur la RTB. Donc ce matin, quatre sujets convoqués au débat. D'abord, la présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso, l'audit du fichier électoral, 13 candidats finalement situés sur leur sort. Quant au positionnement sur le bulletin unique pendant ce temps, la mission de l'audit international du fichier électoral met d'accord les acteurs politiques. Peut-on dire qu'on s'achemine vers des élections apaisées? Réponse dans quelques instants. Et dans quelques instants, débat de presse évoque la crise à l'UPC avec les démissions en cascade. Nathanaël Ouédraogo, le Poué Nabaï, la liste continue. Est-ce la panique à bord dans le navire UPC? On en parle ce matin. Et ce matin, Jean-Claude Bouda est en liberté provisoire. L'ex-ministre de la Défense, accusé de faux et usage de faux, après 5 mois de détention, vient d'être libéré. Lorraine Lac, à l'origine de l'action judiciaire, ne comprend pas la décision de la Cour. Quelle analyse faire de cette liberté provisoire? Réponse avec nos invités et avec nos invités. Nous parlons de la Guinée où les résultats provisoires de la présidentielle sont désormais connus. Alpha Condé déclaré vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle face à Selou d'Alène Diallo. Mais les résultats que l'opposant qui s'était déjà autoproclamé président refuse et la victoire. La violence, dans le même temps, qui ne faiblit pas. Cependant, comment comprendre l'attitude de l'opposant guinéen alors que les autres opposants s'étaient abstenus de prendre part à l'élection? Est-ce une préméditation? Réponse avec nos invités. Nos invités, c'est Dabadi Zumbara, des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour Foussène Kimbe. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à Débat de presse ce matin, Boukari Woba. Bonjour. Bonjour Kindo. Vous êtes rédacteur en chef de Mutation. Merci d'être là pour le débat. Et puis, troisième invité, Inoussa Ouédraogo, directeur de publication de Bendé. Bonjour. Bonjour Kindo. Merci d'être là pour le débat. Et le directeur de publication d'aujourd'hui au Faso, Dieudonné Zungrana, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Fousséni. Merci d'être là pour le débat. D'ailleurs, on commence avec vous, Dieudonné. Le fichier électoral, la mission internationale de l'Union africaine qui met d'accord les acteurs politiques au Burkina, notamment sur le fichier électoral. Est-ce que pour vous c'était prévisible? Oui, parce que quand même on a suivi un peu le processus enclenché par la CENI, notamment avec son président, Newton Ahmed Barry. Bon, qui a quand même, quoi qu'on dise, hein, n'en déplaise vraiment aux Cassandres qui ne croyaient pas à ce travail, qui a fait quand même un travail assez rigoureux, je dirais un travail de bénédictin, parce que ce n'était pas facile vu le contexte dans lequel ils ont effectué ces enrôlements et tout, tout, tout. Et dimanche passé, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être modérateur d'un panel à l'église où justement le président de la CENI et puis le fondateur de la CODEL, Maître Alidou Ouédraogo, ils ont animé un panel qui avait pour thème la contribution des citoyens à des élections apaisées. Alors, au cours de ce panel, justement, le président de la CENI est revenu sur cette audite. Je pense que quand même, bon, les experts, ils étaient 22, dont 8 indépendants. Ils ont décliné les forces et les faiblesses de notre fichier. Et je pense que, bon, ils ont donné un blanc-seing à la CENI, mais avec des recommandations. On aura le temps de revenir parce qu'ils ont fait des recommandations à l'endroit du gouvernement et du législateur, mais ils ont fait aussi des recommandations à l'endroit de la CENI pour améliorer justement ce fichier. Parce qu'un fichier électoral, comme on le dit, c'est la mère des batailles. Aujourd'hui, on ne peut plus truquer les élections avec des bourrages d'urnes, c'est grotesque, on ne peut plus, voilà. Ça, on gagne une élection avec un fichier gris, comme je le dis, noir ou clair, mais en tout cas, c'est là-bas
que vraiment se dessine déjà là. Si vous avez un fichier vraiment transparent, bon, où on a expulgé les morts, les mineurs, les étrangers, tous ceux qui n'ont pas le droit de voter, déjà, c'est un premier pas, mais on verra à l'exercice du scrutin si ça va bien se passer. Et pour les chiffres, bon, il a donné les chiffres qui un peu concordent avec ce que les experts ont donné. On a 6,4 millions d'électeurs, ce modo. On a 132 partis. On a 1525 listes validées. Et on a 5186 candidats titulaires, ça c'est pour les 265 femmes qui sont tête de liste. Et ce qui est quand même assez important, c'est que c'est le pourcentage de circonscriptions qui ne va pas voter à cause de l'insécurité, ça représente 11% des bureaux de vote. Voilà, soit 1685 villages non enrôlés et en tout on a 21138 bureaux de vote. Donc dans tout ça, bon, je pense que les experts ont fait du bon travail. Ils ont dit le fichier est bien, mais on peut l'améliorer, on peut la parfaire. Bon, on aura le temps peut-être de revenir sur les recommandations de ces experts-là. Oui, il nous a l'audit international du fichier électoral qui a présenté ses résultats mercredi dernier montre effectivement, comme Dieudonné l'a dit, des forces et des faiblesses. Tout à fait. Ça montre des forces et des faiblesses, mais je voudrais saluer tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que la CENI et la francophonie puissent faire ce travail-là. Parce que, évidemment, je me demande, au moment où Zéphirin Diabré demandait justement l'audit de ce fichier-là, si ça n'a pas été fait, au cas où les résultats basculent dans l'un ou dans l'autre camp, il peut y avoir évidemment des contestations. De ce point de vue, je pense que le fait d'avoir eu cet audit-là peut contribuer, à mon avis, à avoir des élections apaisées, même si évidemment il y a des insuffisances dans le fichier. L'OIF et les experts ont reconnu que globalement c'est un fichier propre qui peut permettre d'avoir des élections transparentes et libres. Et de ce point de vue, j'espère vraiment que cela pourrait contribuer à rassurer tous les candidats qui sont donc partant pour cette course-là, mais insister sur le fait que cela ne doit pas amener les uns et les autres, et ceux qui sont les sentinelles de la démocratie, à veiller, à continuer à surveiller, comme dit l'œil sur du feu, non seulement ce fichier-là, mais aussi l'ensemble du processus électoral, afin qu'on évite des contestations, comme on le voit malheureusement ailleurs, à l'issue donc de cette élection. En fait, ici, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas péril à la demeure, dans la mesure où, quand le chef de file de l'opposition disait qu'ils vont vraiment en faire la question de l'audit, ils vont en faire un point essentiel pour la tenue des élections, on s'inquiétait pour peu. Est-ce que c'est votre avis? Oui, tout à fait. Je pense que la CENI même a expliqué que c'était un processus normal. Ils allaient en venir. Ils n'avaient pas évidemment attendu que quelqu'un les interpelle pour qu'ils fassent cet audit-là. Ça allait se faire, c'est la procédure normale. Et puis, effectivement, bon, l'opposition a effectivement demandé ça avec force et vigueur, et ça pouvait laisser croire que bon, il y a des soupçons, mais en réalité, bon, c'était juste certainement pour faire le buzz politique, et sinon il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Boukari Boba. Oui. Ça fait longtemps c'est... quand même que vous venez à cette émission, et donc j'ai dû avaler votre nom, Boukari. Ça ne peut pas arriver. Alors, merci, je suis bien le là. Le sable est mouillé, donc... Il n'y a même pas de sable, donc il ne peut pas être mouillé. Il faut dire que c'est une bonne chose qu'on ait audité le fichier électoral, que ce soit à l'initiative du gouvernement et de la CENI ou bien à la demande de l'opposition. Je crois que c'était une très bonne chose qu'on ait fait ce audit-là. Maintenant, je crois que le rapport synthétique que nous avons vu, il faut bien regarder le rapport et prendre au sérieux les recommandations qui ont été formulées dans ce rapport-là. Au sorti de la présentation des résultats, j'ai entendu presque tous les acteurs s'exprimer
et dire que le fichier il était effectivement propre. Donc il y a le ministère de l'administration territoriale qui s'est prononcé, il y a la CENI qui s'est prononcée, il y a la majorité présidentielle qui s'est prononcée, mais par contre je ne sais pas exactement ce que l'opposition a dit par rapport au fichier. Si cela ne m'a pas échappé, le représentant de l'opposition a dit qu'ils allaient rencontrer leur bar, qu'ils allaient organiser une conférence de presse avant de dire leur dernier mot par rapport au résultat de ce taudis-là. Et moi, j'attendais toujours ce dernier mot. Si cela m'a échappé, certainement que vous reviendrez là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours en train d'attendre. Est-ce que déjà cette longue attente de la part de l'opposition qui doit dire finalement quel est son dernier mot par rapport à ces résultats qui ont été présentés, est-ce que c'est déjà des réserves que l'opposition émet, ou bien qu'est-ce qui peut expliquer donc cette longue attente? Je crois que les résultats ont été présentés en plénière, en leur présence. Je crois que dans le comité ad hoc qui avait été mis par rapport à cet audit-là, l'opposition était représentée. Donc si les résultats ont été présentés, l'opposition devait pouvoir, de mon point de vue, se prononcer de façon assez automatique, voilà, sans perdre trop de temps, alors qu'on est toujours en train d'attendre que l'opposition dise son dernier mot. Et pour vous, cette attente est inquiétante? Oui, elle est inquiétante. Je ne m'attends pas à ce qu'ils viennent véritablement remettre en cause fondamentalement les résultats de l'audit et contester le fichier électoral. Mais au moins, si c'est cette opposition qui a demandé l'audit du fichier électoral, on ne peut pas comprendre que pratiquement une semaine ou bien ça fait déjà combien de temps après que l'opposition n'ait pas dit quel est son sentiment par rapport aux résultats de cet audit-là. Et il faut dire aussi que ce n'est pas au Burkina seulement que cela se passe. L'audit du fichier électoral, c'est quelque chose qui est important dans le processus. Et en Guinée, la Guinée qui fait aujourd'hui l'actualité, le fichier électoral de la Guinée avait été audité en septembre dernier. Les résultats ont été présentés et on a estimé que le fichier électoral il était propre. Cela n'a pas empêché ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est bien d'auditer le fichier électoral, mais comme Inoussa le disait tout à l'heure, c'est bien que tous les acteurs restent encore vigilants pour jouer véritablement leur rôle par rapport à ce qui est attendu de ces élections-là, à savoir des élections libres, transparentes et crédibles naturellement. Oui, justement, Dabadi Zoumbara, Victorien Touguma, à l'issue de la cérémonie du mercredi dernier, disait que, en dépit des forces et faiblesses de l'audit de la mission internationale, cela n'entache pas la sincérité du travail de fond et de qualité qui a été mené. Et Victorien Touguma est un ancien candidat à la présidentielle et il fait partie de l'opposition. Tout à fait. Non, bon, je pense quand même que de façon plus ou moins unanime, les acteurs reconnaissent qu'un travail sérieux a été fait d'abord par la CENI, ce qui est une très bonne chose. Peut-être que les gens ne s'attendent pas à ce que la CENI puisse faire ce travail de toilettage à un niveau qui permettrait effectivement de rendre le fichier davantage fiable. Je pense que c'est ça le vrai problème. Mais avec effectivement l'audit qui a été réalisé, on se rend compte effectivement que le travail qui a été abattu par la CENI est quand même un travail important, un travail à saluer, comme certains l'ont déjà fait. Et je pense qu'effectivement, Touguma a tout à fait raison d'aller dans ce sens, parce que le travail qui a été fait est plus ou moins irréprochable. Même si, comme on l'a dit, il y a quand même des recommandations à prendre en compte. Et ça, ce n'est pas lié au travail qui vient d'être fait. Ça, c'est lié même à la nature de notre officier électoral. Donc, je pense qu'à ce niveau, effectivement, c'est peut-être les parlementaires qui sont interpellés, le gouvernement, etc. Et donc, les acteurs pourront certainement se retrouver plus tard pour voir comment mettre les mécanismes en place pour permettre de parfaire davantage ce fichier électoral. Mais moi, déjà, je pense que c'est heureux que le pouvoir d'Europe, moi, Christian Kabore, ait joué le jeu jusqu'au bout, parce que ce n'était pas évident. Voilà. Et donc, je pense que... Mais est-ce que c'est parce que, un peu comme l'a dit Dieudonné, est-ce qu'ici, on a le choix? Parce que les méthodes ont changé, on est en 2020. Tout à fait, mais écoutez... Ce qu'on avait l'habitude de faire avant, on ne pouvait plus le faire. Quelque part, une insurrection est passée dans ce pays. On est d'accord que le Burkina peut-être c'est difficile, mais encore de voir à côté, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour dire que ce n'était pas évident à 100%. Je pense que bon, il faut quand même reconnaître que bon, le pouvoir a accepté de jouer le jeu, parce que comme je l'ai dit ailleurs, cette même requête de l'opposition,
n'a reçu qu'une fin de non-recevoir de la part du pouvoir d'Ado. Donc c'est pour dire que ce n'était pas effectivement évident. C'est vrai que l'insurrection populaire a quand même changé un peu la donne au Burkina, mais il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en politique et que ce n'est pas tout aujourd'hui qu'on peut tout de suite demander et l'obtenir. Ce n'est pas évident. Donc cela dit, je pense que la fiabilité d'un fichier électoral est extrêmement importante parce que ça contribue effectivement à l'organisation d'une élection transparente. Et donc en s'inscrivant dans cette dynamique, et cela montre plus ou moins, en tout cas j'allais dire, la volonté du pouvoir d'organiser des élections assez crédibles et transparentes. Et donc c'est tout à son honneur. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'était pas chose gagné d'avance. Ce n'est pas pour rien que l'opposition, effectivement, demandait que cela soit fait. Et n'oublions pas que c'était d'autant plus important que l'opposition en avait fait un véritable problème, qui s'avait laissé croire qu'il y a une sorte de fraude massive qui se préparait à travers, effectivement, le fichier électoral. Donc, le travail était vraiment nécessaire, parce que aujourd'hui, ça permet quand même de savoir que, bon, nous partons avec un fichier électoral plus ou moins consensuel, ce qui est extrêmement important grâce, effectivement, au travail qui a été fait. Et, bon, ça permet, effectivement, de mettre les acteurs en confiance et de préparer, effectivement, les concurrents à accepter, effectivement, les résultats qui sortiraient des urnes, parce qu'on s'est dit que, bon, le fichier électoral est quand même assez fiable. Et donc, je pense que sur ce point, on peut quand même dire que c'est une bonne chose. Alors, mais comme les uns et les autres l'ont dit, tout n'est pas de toiletter seulement le fichier électoral. Il faut effectivement qu'une fois cette étape franchie, que les autres mécanismes puissent se mettre en place et que les acteurs acceptent le fair play jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Parce que comme quelqu'un l'a dit, en Guinée, le fichier a été toiletté. Les experts de la CDA ont dit que le fichier pouvait permettre d'aller à une élection assez crédible. Mais aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans ce pays. Non, mais là-bas, le problème de fond, c'est beaucoup plus le troisième mandat de Alpha Condé que forcément oui, peut-être mais, quelque chose de. Il y a ce volet, bien sûr, mais n'empêche qu'on refuse quand même les résultats qui ont été communiqués. Voilà. Et ces résultats ne sont pas liés forcément à la question du troisième mandat. Donc c'est pour dire que. Et si le fichier n'était pas toileté, ça allait être plus grave. Mais malgré le fait que cela a été fait, on est toujours dans une situation où des gens estiment que bon, les résultats ont été manipulés. On discuterait de la Guinée en dernière partie de cette émission. Oui, Dieudonné, on l'a vu, le fichier comporte des forces, mais aussi quand même des faiblesses. Il y a par exemple le cadre juridique qui ne permet pas à la CENI de constituer un fichier à travers des années de façon exceptionnelle. Il faut souvent des opérations de pointe pour le faire et l'audit a relevé que ça peut être également un point de manquement par rapport aux listes permanentes qui sont parfois dégagées. Oui, on peut s'amuser à faire une petite revue de détails des recommandations, choses des experts à l'endroit d'abord du gouvernement législateur. Bon, il propose par exemple d'intégrer dans le code électoral la possibilité pour la CENI de faire une refonte du fichier électoral au moins tous les 10 ans. Parce que tous les 10 ans, on estime que quand même il y a un changement. Ça, c'est une des recommandations. Bon, de conférer des pouvoirs réglementaires élargis à la CENI. On parle même de constitutionnalisation de la CENI. Il a été même question de ça. Et envisager de recourir à la carte nationale d'identité comme pièce valant carte d'électeur. Tout ça. À l'endroit de la CENI elle-même, on parle d'acquérir, d'installer des systèmes de détection automatique, de supprimer les stocks de cartes d'électeurs de tous les exercices de révision antérieurs et effectuer un état des cartes d'électeurs délivrés et situés pour la révision 2020. Il y a un certain nombre de recommandations comme ça qui ont été faites et je pense que les experts sont conscients que même ce fichier est vraiment qui a été révisé, tout n'est pas parfait. Donc, au fur et à mesure des élections, on va la parfaire. Donc, je pense que c'est déjà, encore que le fichier électoral à lui seul ne fait pas une élection transparente et apaisée. Voilà, c'est le processus, tout le processus qu'on va regarder. Parce qu'on sait aussi, bon, les gens sont en train de citer la Guinée. Effectivement, si là-bas,
C'est le troisième mandat qui pose problème. Bon, en fait, il lit dans les brancards, il cite le fichier électoral et tout, tout, tout. Mais je crois que dans le cas d'espèce du Burkina Faso, il y a eu quand même, je pense qu'au total, on a pu expulger près d'1,425,725 doublons. C'est pas mal. Plus d'un million, presque un million et demi de doublons. Donc on a déboulonné tous ces doublons-là. Et c'est pas mal. Vous voyez que dans un corps électoral, s'il y a 1 500 000 qui était là, vous voyez que ça fait, avant même, ça peut même faire élire un président, puisque bon, les présidents du Faso souvent sont élus avec 1 500 000, 1 million. Voilà. Donc si on a expulgé tout ce monde-là, ça fait quand même beaucoup. Donc je pense que chacun est conscient que le fichier actuel même, révisé n'est pas parfait, mais allons-y avec. Je pense quand même qu'il y a un travail fondamental qui a été, comme l'a relevé Youssa. Vraiment, il faut saluer ça et espérer que le processus qui est en train de se dérouler va se faire dans la transparence et dans la paix, et c'est ce qu'on souhaite. Oui, et Youssa, par rapport à ces recommandations, ça veut dire quelque part que, et notamment quand on prend la question de la constitutionnalisation de la CENI, oui, elle ne date pas d'aujourd'hui. Les gens avaient commencé à susurrer un peu cette question, et la mission vient entériner quelque part cette idée qu'il faut aller à une sorte de stabilisation de l'organe chargé d'organiser les élections. Pour vous, les recommandations, elles sont réalistes, réalisables? Je pense que oui, notre pays a les moyens de mettre en œuvre les recommandations qui sont issues du travail que les experts ont fait. Évidemment, les uns et les autres avaient déjà demandé qu'on travaille à avoir une CENI véritablement indépendante. Et ça passe par la constitutionnalisation de cette institution-là. Je pense que certains même avaient demandé à ce qu'on ait une fonction publique, électorale, propre en tout cas à la CENI. On doit aller vers ça. On doit former spécifiquement des gens dont le travail est d'organiser des élections. Surtout qu'on sait que les élections sont toujours source de tensions, sont toujours source de conflits, de guerres, de morts d'hommes, etc. La démocratie n'a pas besoin qu'on tue en son nom. Donc, c'est vrai que c'est un processus, c'est un idéal vers lequel on tend. Rien n'est jamais parfait, mais on peut travailler à faire en sorte de réduire au maximum les poches de tension, et les recommandations, si elles sont mises en œuvre, effectivement, peuvent contribuer à nous amener vers des élections plus crédibles, gage donc de stabilité. Oui, Boukari, pendant que les experts publient les résultats de leur audit du fichier électoral, on voit aussi dans le même temps que la CENI procède au positionnement des candidats sur le bulletin unique, et on l'a vu chaque d'abord de 14 candidats, on est passé à 13, et chaque candidat aujourd'hui est situé sur son sort par rapport à son positionnement sur le bulletin unique. C'est une avancée pour vous? C'est la preuve que petit à petit nous avançons vers le 22 novembre et que tout est en train de se mettre en place. Je crois que d'ici là, nous allons avoir le spécimen donc du bulletin pour la présidentielle, et certainement aussi plus tard pour les législatives. Donc de 24 candidats, la CENI a fait son travail, on était à 14 candidats. C'est arrivé au niveau du Conseil constitutionnel qui a recalé un des candidats pour défaut de caution. Je crois d'ailleurs qu'il faut envisager, s'il y a des sanctions, il faut poursuivre l'intéressé, qu'on vienne déposer des chèques en bois pour la présidentielle. De toute façon, ça ne fait pas très sérieux, même si on l'a déjà vu de par le passé. Je crois que c'est le Fasocrate aussi avait déposé donc un chèque en bois. Donc on a nos 13 candidats, un peu comme en 2005, non? En 2005, on devait avoir 13 candidats, bien que Maître Herman Yamego s'était retiré en cours de chemin, mais cela n'avait pas d'ailleurs conduit au retrait de son nom sur la liste. Donc on était allé à l'élection avec les 13 candidats. Le processus avance très bien.
on espère qu'on va avoir effectivement ces élections-là apaisées. Mais si vous permettez, je vais revenir sur les recommandations du fichier électoral. Moi-même, j'ai été un peu surpris en lisant la question sur la constitutionnalisation de la CENI. J'ai dit, ah tiens, la CENI n'est toujours pas constitutionnalisée, c'est surprenant. Vous prenez la constitution, on a des institutions comme le CES, on a le médiateur de façon qui sont constitutionnalisés, qui sont pourtant des institutions qu'on a beaucoup décriées, que des gens ont même demandé de supprimer. Ce qui n'est pas le cas avec la CENI, dont on n'a jamais parlé de l'inutilité, donc tout le monde admet que la CENI est une institution utile, qui doit demeurer. Et malheureusement, c'est la CENI qui n'est pas constitutionnalisée. Je ne sais pas si ça répond exactement à quoi. Mais je crois que ça est dans le projet de constitution qui devait être adopté depuis fort longtemps, qui ne l'est toujours pas. Je crois qu'il faut, il faut aller vers ça et il faut définitivement constitutionnaliser donc, cette CENI-là. Il y a des problèmes qui sont soulevés dans le fichier électoral qui sont peut-être difficiles à mettre en œuvre. La CENI en parle depuis longtemps. C'est le cas des morts. Si on enlevait les doublons, c'est une très bonne chose, mais il y a des morts qui sont dans nos fichiers, dans notre fichier électoral, et on ne semble pas avoir les moyens, le mécanisme de les extirper, de les sortir de ce fichier électoral là, parce que aussi chez nous le comment je vais appeler ça, les gens n'établissent pas les actes de décès, forcément. Bon, voilà, ils sont enregistrés. Et, après, ils ne savent pas que c'est un acte d'état civil aussi, le fait d'établir donc un acte de décès. Donc, on ne sait pas qui est vivant, on ne sait pas qui n'est pas vivant. Il y a la question de la résidence. La CENI explique que lorsque, par exemple, on attaque quelqu'un sur le fait qu'il s'est enrôlé dans une localité où la personne ne serait pas résidente, c'est difficile pour la personne de prouver parce que au moment d'établir votre pièce, vous ne faites pas la preuve que vous résidez dans cette localité. Et ça m'envisageait qu'on va demander au CVD, dans ce cas-là, de pouvoir d'une certaine manière attester que ceux qui s'inscrivent, au moins de s'inscrire que la personne est résidente dans cette localité. Je crois que c'est des solutions qu'il faudra approfondir un peu plus tard. Et il y a cette recommandation, envisager comment utiliser la carte nationale d'identité comme étant la seule pièce de votation, comme étant valable comme carte électorale. Je crois que, bon, c'est même pas s'il faut appeler ça une recommandation, parce qu'on parle envisager d'utiliser, mais on est déjà en train d'envisager ça, parce que le débat a eu lieu pendant plusieurs mois au niveau de la CENI, ça n'a pas mis les commissaires d'accord, ça n'a pas mis l'opinion nationale d'accord, donc le débat il est toujours là. Je crois qu'on va continuer à envisager jusqu'à ce que peut-être cette recommandation puisse voir le jour très bientôt. D'accord. Oui, d'abord, le deuxième sujet de débat, c'est les démissions en cascade à l'UPC. On a Nathanaël Rodrago, on a le Pou Nava et bien d'autres. Et aujourd'hui, on peut dire que le navire UPC tangue. Non, bon, je verrais qu'il y a quand même des démissions, mais dire que le navire UPC tangue, c'est trop fort. C'est un pas que je me garde de franchir. Non, je pense que l'UPC a quand même suffisamment de cadres. Hein. Vous avez vu que aussitôt le départ de César, ils ont immédiatement été remplacés. C'est la preuve que, bon, c'est pas comme certains partis où lorsqu'un cadre ou deux cadres ou trois s'en vont, on n'a pas tout de suite d'autres personnes pour les remplacer. Mais cela dit, bon, il faut dire effectivement qu'aujourd'hui, on assiste à un printemps de démission, parce que ce soit au MPP, au CDP ou même à l'UMIPS, il y a eu des démissions. Je crois qu'ici, peut-être ce qui retient l'attention des gens, c'est le timing certainement choisi, mais aussi effectivement les postes qu'occupaient certains de ces démissionnaires, notamment Nathaniel, vous l'avez dit. Et je pense que lorsque un cadre de la trempe de Nathaniel s'en va à la veille d'une élection, ça ne peut que susciter effectivement interrogation. Ben, je pense que comme certains l'ont dit, ces démissions ont des objectifs, il faut le dire. Bon, quand bien même il est difficile pour nous en tant que journalistes de dire clairement exactement pourquoi un tel s'en est allé. Pour l'instant, on ne peut que... À qui profite le crime? Bon, à qui profite le crime pour l'instant, il est difficile de le dire. Parce que, à tous les partis, pourrait-on dire. Parce que pour l'instant, tous ceux qui sont en tout cas dans les statuts, mais souhaite qu'il y ait effectivement des remous dans d'autres parties.
ça profite. Mais maintenant, on attend de voir. S'ils atterrissent dans un parti donné, eh bien, on peut dire que c'est à ce parti que profite certainement le crime. Mais pour l'instant, bon, on ne sait pas. Ils ont démissionné, c'est pour aller dans quel parti, on ne le sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que en démissionnant, à la veille d'un scrutin qui s'annonce assez serré et qui est qualifié comme l'un des plus ouverts du Burkina, et ces démissionnaires donnent du grain à moudre ou apportent de l'eau, en tout cas au moulin de ceux qui les accusent de chercher à déstabiliser le parti. Alors, on est d'autant plus fondé à le penser que certains n'ont pas eu, en tout cas, des mots gentils à l'endroit du président du parti. Alors, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que, bon, ils ont dépensé beaucoup, mais bon, voilà, ils estiment qu'ils n'ont pas été récompensés à la hauteur, etc., etc. Alors, bon, du coup, on se pose effectivement des questions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on adhère à un parti par conviction ou tout simplement parce qu'on cherche des intérêts? La question reste posée. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, cette démission, effectivement, suscite quand même des interrogations. Et chacun peut apporter la réponse qu'il veut, mais on constate qu'effectivement, ce n'est pas un fait nouveau. Et, mais là, on mobilise quelqu'un qui est sur la base de ses intérêts. Justement, mais l'autre aspect est que, bon, ces démissionnaires, quand même, la plupart, en tout cas, sont ceux qui n'ont pas été retenus sur les listes électorales. Est-ce que ceci n'expliquerait pas cela? On n'en sait rien. Mais dans tous les cas, c'est un constat que nous faisons. Et je pense qu'effectivement, ceux qui disent que ils ont certainement été cooptés par d'autres partis, bon, ils n'ont peut-être pas totalement tort, mais on attend de voir dans les jours à venir ce que ça va donner. On l'a vu avec les 13 qui avaient constitué les groupes parlementaires. Finalement, effectivement, on a vu ce que ça donnait. Donc, est-ce que cette démission encore s'inscrit dans le même cadre? On peut le penser, mais pour l'instant, c'est trop tôt de dire si c'est le cas ou pas. On attend de voir ce que ça va donner. Boukari Ouba, des démissions à la veille d'une élection législative et présidentielle, c'est quand même risqué pour un parti. C'est une très mauvaise nouvelle pour le PC, ça, il faut être clair là-dessus. Ce ne sont quand même pas n'importe qui, c'est démissionnaire. Et même si c'était véritablement un ou deux militants à la base, ce n'est jamais un bon signe pour un parti, en tout cas, signe de santé pour un parti de perdre autant de militants. Moi, lorsque j'ai vu une démission, deux démissions, je disais 100% c'est le président Zéphirin Diabré qui est fautif. Mais moi, avec le temps, et ces enchaînements, encore à quelques semaines de l'élection présidentielle, je commence à me demander et si Zéphirin Diabré avait raison. Parce que je ne peux pas l'expliquer. Que vous ayez fait 10 ans dans un parti que vous avez contribué à créer, vous êtes membre fondateur avec le président. On a, pour beaucoup d'entre eux, on n'a jamais entendu de crise à l'intérieur. Ils n'ont pas fait de guerre ouverte à l'intérieur. Et c'est seulement un matin qu'on découvre une lettre de démission. Pour les premiers, ça peut se comprendre. Mais après, je me dis, est-ce que les gens le font véritablement par conviction? La démission, pour moi, elle n'est pas faite de conviction. Et ça montre peut-être aussi que leur appartenance au parti n'était pas véritablement fondée sur des convictions. Aujourd'hui, si vous êtes membre fondateur d'un parti, moi, j'aurais souhaité voir qu'à l'intérieur du parti, parce qu'ils sont quand même nombreux ceux qui sont partis, depuis les 13 députés et avec tous ceux qui ont suivi, ou bien sûr, on remonte jusqu'à 2015, depuis le départ donc, de quelqu'un comme lui, Armand Wali, vous les mettez ensemble, ça fait beaucoup. Et tous ces gens-là auraient pu véritablement rester à l'intérieur du parti, créer un débat démocratique. Et qu'est-ce qui dit qu'ils ne pouvaient même pas mettre en minorité le président Zéphirin Diabré et sur le fond même le chasser du parti et puis prendre le parti? Ça peut arriver. C'est votre parti. Il faut quitter dans cette idée qu'on a de voir que, bon, tel parti, c'est le parti de Zéphirin Diabré, on a le parti de Mère Sankara, on a le parti de Sarah Seremé, et ainsi de suite. Au Burkina, c'est comme ça, on caractérise les partis. Alors que non, si vous êtes surtout membre fondateur d'un parti, considérez que c'est votre parti. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain rendre votre démission parce que vous n'êtes pas content avec le président. Non, c'est votre parti. Battez-vous pour avoir le parti. Donc les gens sont en train de démissionner. Moi, au départ, je pensais que le seul et unique fautif, c'est Zéphirin Diabré. Mais aujourd'hui, je commence à être réservé là-dessus. Je pense que ceux qui sont en train de partir, ils manquent quelque part de conviction. Ils sont en train de saboter tout simplement le parti. Et cela est bien dommage. Il nous savait, Drago. Moi, je vais essayer de remonter
comme un peu Oba l'a dit, en 2016, début 2016, Lui Armand Wali, qui est quand même membre fondateur du parti, un des idéologues, si on peut le dire comme ça, du parti, s'en va. Quelque temps après, c'est Tambi Kabore, qui était directeur du cabinet du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, en 2012 et 2014, qui s'en va. Et après, il y a les députés qui sont partis, 13 députés. Et on voit ensuite Nathanaël, qui a conduit la campagne des Zéphirin en 2015, qui s'en va, et le Peu Naba. Il y a Maître Séraphin aussi. Maître Séraphin qui est parti. Ça interroge. Est-ce que... parce que quand d'autres sont partis, on a dit que c'est parce qu'ils voulaient aller à la soupe. D'autres sont partis parce qu'ils avaient des intérêts particuliers ailleurs. Mais quand on regarde tout ce beau monde-là, sont-ils partis parce qu'effectivement ils veulent aller à la soupe, comme on le dit, ou bien c'est des divergences idéologiques, ou encore c'est la conséquence d'avoir amassé des individus et non pas des militants? Parce que le problème qui se pose, à mon avis, c'est ça. On n'a pas de militants dans les partis politiques qui croient en des valeurs, en des principes, à une idéologie, à une ligne. Mais c'est un regroupement de personnes qui croient à un processus électoral, qui croient qu'en allant dans ce parti-là, on peut avoir tel ou tel poste. Et conséquence, quand effectivement on n'a pas ce poste-là, évidemment, on ne peut que rendre le tablier. Sinon, évidemment, il y aurait pu y avoir un débat à l'intérieur de l'UPC, montrer en quoi Zéphirin Diabré n'est pas l'homme de la situation, montrer en quoi il n'est pas le leader qu'il fait croire, montrer en quoi il n'est pas capable de rassembler autant de cadres et de compétences pour aller donc vers une direction donnée. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on nous montre. Quand on regarde plus ou moins pour le dernier cas, le Peu Naba, il n'a pas donné plus ou moins les raisons pour lesquelles il est parti. Mais quand on regarde le parti qui a communiqué, Oui, le parti estime que c'est lui qui a envoyé sa lettre de démission. Mm-hmm. On l'a remplacé par le Saman Naba. Mm-hmm. Et on a même donné des numéros de téléphone. Voilà, quelque part. Pour des besoins de vérification, certainement. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, je pense que... il y a un problème de fond dans nos partis qu'il faut résoudre. Oui, il faut la masse, mais il faut surtout insister sur la qualité des hommes. Mais cela, à mon avis aussi, doit amener Zéphirin Diabré à se remettre en cause. Parce que quand on perd des figures de proue, comme tous ceux qu'on a cités, ça veut dire que quelque part, il y a véritablement un problème de fond, qu'il faut avoir le courage de regarder en face et ne pas minimiser. Parce que toutes les fois qu'il y a eu des démissions, le parti du Lyon a tenté de minimiser en indiquant que, bon, ce n'était pas des hommes d'ailleurs sur lesquels on comptait suffisamment. Mais non, même quand un militant à la base démissionne, c'est un problème. À plus forte raison des membres fondateurs et des figures, même s'ils ne sont pas capables de remplir une cabine téléphonique, il y a des hommes. Quand ils sont avec vous, du fait de leur crédibilité, ça peut contribuer quand même à faire quelque chose pour le parti. Et je pense que Zéphirin Diabré doit regarder de plus près cela. Est-ce votre avis, Diédoné Zoungrana, que les responsabilités sont partagées autant, ceux qui partent ont une part de responsabilité autant, ceux qui sont à la commande ou à l'UPC également doivent Bon, moi, quand il y a eu des... Bon, effectivement, bon, il y a, dans tous les partis, hein, je ne vais pas revenir sur ce que les... Dans tous les partis, il y a des démissions, mais bon, la particularité de la situation actuelle de l'UPC, c'est la qualité des démissionnaires et la proximité des élections. Ça donne un relief quand même assez particulier à ces départs-là. Bon, moi j'ai essayé d'écouter, parce que c'est ça aussi le journaliste, de faire le recoupement et d'écouter de part et d'autre. En tout cas, à la direction de l'UPC, bon, ce qui m'a été servi en tout cas, c'est que pour beaucoup, par exemple pour Nathanaël et puis le Peu Naba, bon, l'arrêt c'était les primaires. Bon, et certains qui sentaient déjà l'échec ont préféré ne même pas venir à ces primaires, donc ils se sont retirés. Mais ils sont restés dans le parti et quelques jours après, ils sont partis. C'est le cas de Nathanaël et du Peu Naba. Donc, par exemple, pour le Peu Naba, on nous dit qu'il était tête de chose de lutte nationale en 2015. Or, il y a eu une loi, bon, non écrite peut-être dans le PC, qui fait que deux mandats de suite, vous ne pouvez pas être sur la liste nationale. Et c'est pour ça
bon, le point n'a pas été chose. Mais effectivement, bon, ça pose quand même un problème parce que si on prend rien que le cas de Nathanaël et puis du point n'a pas, bon, pour Nathanaël, je sais que quand même c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans le parti. Je l'ai suivi. C'est quand même pas un militant par champion. Et bon, quand il s'en va, effectivement, comme l'a dit Younous, bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est un militant ou bien c'est un situationniste, pour reprendre le terme de Juliette Bonkungu, on n'a pas de militants, effectivement, Younous, ici, on a des situationnistes. Bon, et ça repose effectivement la question, bon, quand les gens occupent des postes dans un parti, dès lors qu'ils n'ont plus ce poste, ils veulent migrer ailleurs. Ça aussi, ça repose un problème du militantisme. En fait, est-ce que on croit à un idéal? Je l'ai dit ici, l'idéal ici là, est monnayable, et quand on est député ou bien on est DG, le jour où bon, vous êtes décailloté, on dit non, je vais aller ailleurs sur d'autres choses. Vous avez cité le cas de Wani, il fallait aller jusqu'au bout de votre pensée. Où sont-ils aujourd'hui? Vous savez où ils sont. Ils ont rejoint le parti majoritaire. Et vous savez que quand même aujourd'hui, Wali il occupe quand même Wali a créé son parti. Il a créé son parti, oui, mais bon, je sais, mais voilà, il a créé son parti, mais il est parti quand même. Aujourd'hui, il est plus ou moins dans le MPP parce que c'est quand même le conseiller politique et diplomatique du chef de l'État. Tambi aussi, il a créé un parti qui est mouvancier. Vous le savez bien. Donc, c'est vrai que ça repose ce problème. Est-ce que les gens y sont par conviction? Bon, en Afrique, c'est un peu rare parce que, bon, mais en même temps aussi, c'est vrai que le président d'un parti, quand il y a une telle saignée, quand il y a une telle hémorragie, bon, ne doit pas balayer ça du revers de la main. On a vu en 2015, quand les 75 ont signé la lettre de démission du CDP, 2014. Voilà, 2014, bon, on a entendu, non, c'est un épiphénomène. À l'époque, j'avais dit, ah, attention, quand même ceux qui sont partis, c'est pas quand même, ça ne compte pas pour du beurre. Et on l'a vu après. Donc, si quand même il y a certaines figures de plus, comme vous dites, qui larguent les amas dans un parti, bon, il faut faire attention en disant non. Oh, parce que c'était ces mêmes qui se battaient pour que le parti ait des cabanes, soit massifié, ait des postes, ait des victoires. S'ils partent quand même, ça fait un manque à gagner. Et effectivement, il est quand même opportun que Zéphirin fasse une introspection, en tout cas fasse un peu le bilan pour voir est-ce que quelque part aussi la gouvernance que je fais, parce que c'est ça aussi, quand il y a une CIE, parce qu'il y a l'opinion aussi, il y a ce que l'opinion pense, est-ce que, bon, vraiment, mais en même temps aussi, bon, pour répondre à ce que Younous dit, bon, si on dit c'est le parti de Zéphirin, c'est le parti de Intel, c'est parce que justement le parti se ramène à cette personne. C'est lui qui départ à sortir l'argent de sa poche pour construire le parti. Et sa voix est prépondérante parce que, comme je dis, les gens ne cotisent pas. Les militants dans les partis ne cotisent pas. Quand à quelque chose, on se retourne vers le président du président, on fait quoi? Et c'est lui, il y a des situations qu'il doit sauver avec son argent. Des conséquences, quand il parle, on entend les mouches voler. Personne ne va répondre. Mais je pense que, bon, est-ce que l'UPC, avec cette saignée, va payer cash aux législatives, on attendra, on suppute, mais il faut attendre le clap de fin de ces législatives-là pour voir si ces départs-là vont porter un coup à l'UPC ou bien l'UPC va sortir. Et Gramsci, ceux qui l'ont mis, parce qu'il y a aussi le jeunisme, on a rajeuni le parti, est-ce que ces jeunes-là vont faire mouche? Si ces jeunes-là se brûlent au feu de ce suffrage universel-là, ah, ça veut dire que le casting n'était pas bon. Si par contre, ils tirent leur marron du feu et ces jeunes-là arrivent justement à maintenir le parti, l'UPC, à son poste d'avant, mieux, à aller même plus haut, bon, ça veut dire que Zéphirin aura fait en tout cas le bon choix. Donc, c'est le clap de fin de ce, voilà, de ces législatives qui va nous fixer sur ces départs. Oui, réaction Boukari. Je me pose la question aujourd'hui, si l'UPC n'est pas en train de payer pour son choix de 2015, de rester dans l'opposition plutôt que de faire comme l'UPS et de collaborer avec le parti qui a gagné les élections, à savoir le MPP. C'est sûr que l'UPC serait allé au pouvoir
que ça n'aurait pas été un ou deux postes ministériels, comme on le voit avec le parrain et puis le NILPES, c'est minimum 5 postes ministériels, peut-être même un poste de premier ministre et des postes d'ambassade et ainsi de suite, parce que c'était quand même le parti le plus important. Et on voit que 5 ans après, le fait d'être resté à l'opposition, l'UPC est complètement laminé. De fait, l'UPC n'est plus le chef de file de l'opposition politique, si on veut bien regarder véritablement les cartes. Parce qu'il n'est pas cette majorité parlementaire-là, mais pour le respect des règles, parce que personne ne veut perdre les sièges, les 13 continuent d'être considérés comme étant donc des membres de l'UPC. Ça pose problème. Et aujourd'hui, si des gens acceptent de rester à l'opposition, avec Zéphirin Diabré, je ne sais pas à l'époque quel a été le débat, s'il a été démocratique à l'intérieur, si ça a été tout simplement de la simple volonté du président, des gens acceptent de rester à l'opposition et à ces élections de 2020, où le parti, bien que tous les partis de l'opposition ont pour concurrent le MPP, en réalité l'UPC a comme concurrent direct le CDP. Et aujourd'hui, vous regardez le CDP qui revient en force et qui concurrence sérieusement l'UPC, vous demandez que serait cet UPC-là après les élections de 2020. C'est pratiquement sans lendemain, c'est presque perdu d'avant. On espère que le parti va nous surprendre pour l'intérêt de la démocratie. On espère que le parti va nous surprendre. Mais aujourd'hui, quand on regarde la réalité du parti, c'est qu'il y a problème. Donc des gens qui sont restés à l'UPC aujourd'hui et qui ne peuvent même plus espérer être députés, il faut le dire, ils se demandent qu'est-ce qu'ils deviendront. Et pour moi, tout cela explique aujourd'hui cette démission de la Cour. Il y a aussi un aspect quand même. Je pense aussi que de ce que j'ai entendu des démissionnaires, il y a eu aussi cette espèce d'humiliation-là. Parce que beaucoup quand même se sont sentis humiliés, la façon dont ils ont été poussés à la porte. Parce que finalement, c'est ça. Quand on prend les primaires, on prend l'atmosphère qui a rien au cours de certains primaires, comme par exemple là où... Bon, c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas partir, mais il y avait déjà... Ça sentait déjà le souffle. Hein. Voilà, quand vous allez à une élection, et vous sentez déjà que vous serez humilié... Pour certains, bon, c'est quelqu'un de l'aise. Voilà, bon, et on a levé la main du vainqueur, on baisse la main du vaincu. Bon, donc, il y a tout ça qui fait qu'après, certains sont partis. Puisque même après qu'il ne soit pas retenu dans la liste, le point là-bas était toujours conseiller du président du parti. Ils ont sorti... Et député. Comment se fait-il qu'ils aient... Et je termine là-dessus. Et aussi, bon, je crois qu'il y a aussi la symbolique. C'est vrai que le point là-bas a été remplacé par le Samandé. Bon, mais je pense que quand on dit le point là-bas, bon, quand même, qui est un grand ministre du Moro, bon, dans un parti, ça compte. C'est vrai qu'il y a le Samandé, mais quand on les met dans la balance, c'est pas vraiment le même équilibre. Donc, il y a tout ça. Donc, les intéressés devaient éviter d'ailleurs de se présenter comme étant les ministres du Moro. Ils ne sont pas représentants du Moro. Ils ne sont pas représentants du Moro. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, on devait s'en tenir même à leur nom. Gabadi intervient, il nous va prendre la parole pour parler de Bouddha. Je veux dire, effectivement, moi je me pose des questions si ce ne sont même pas ces primaires-là qui ont créé tous ces problèmes. Parce que regardez un peu dans les différents partis où il y a eu des primaires, on sait ce que ça crée. Et c'est vrai, je suis d'accord quand je dirais. Justement, c'est ça, c'est ça le vrai problème en réalité. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'UPC ou le président Zéphirin doit effectivement se poser des questions par rapport effectivement à la conduite de ce parti. Vous savez, être dans l'opposition pendant 10 ans, ce n'est pas chose aisée. Tous les opposants vous le disent. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement se poser des questions de façon claire. Voulons-nous réellement rester dans l'opposition et assumer notre position? Parce qu'il y a ça aussi. Si vous acceptez d'être opposant, ben, il y a un statut qui va avec. Il faut s'assumer. Ouais. Et donc, je pense que ça, c'est un débat certainement que Zéphirin sera obligé de mener au sein du parti. Et puis, bon, trancher de façon vraiment, de façon froide là, pour qu'effectivement, il n'y ait pas trop de tensions. Parce qu'à ce rythme, effectivement, il faut quand même avoir peur pour l'avenir du parti. Parce qu'en politique, c'est vrai, souvent, on dit que ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Mais attention, en politique, il s'agit d'un vote. Et donc, une seule personne... On a besoin parfois aussi de la quantité. On a besoin de la quantité. Et à partir d'un certain moment, on dit en démocratie, voilà, la quantité devient la qualité. Exactement. Ça, c'est une règle. La quantité devient la qualité en démocratie. On va rapidement évoquer le sujet Jean-Claude Bouddha en liberté provisoire, 5 mois.
après son incarcération à la Mako. La Cour d'appel de Ouaga, dans son arrêt du 22 octobre dernier, Inoussa a décidé donc la mise en liberté de l'ex-ministre de la Défense, accusé de faux usage, faux en écriture privée et délit d'apparence. Quelque part, là également, il avait bénéficié d'une permission d'un mois juste avant cette décision. Est-ce qu'on s'achemine vers peut-être un règlement à l'amiable de cette affaire Bouda? Non, je ne pense pas que ce soit un règlement à l'amiable. Je ne pense pas. Sauf si la justice ou ceux qui sont chargés de ce dossier nous donnent la preuve. Il a bénéficié, Jean-Claude Bouda, d'une liberté provisoire. Je pense que c'est un processus normal. La règle n'est pas la détention. C'est l'exception qui est la détention. Sinon, la règle, on peut, quand le dossier est en instruction, permettre au monsieur de vaquer à ses occupations en attendant qu'on l'appelle en justice. Peut-être que le juge estime qu'il a atteint un niveau où, évidemment, ça ne sert plus à rien de le garder en prison parce que même sa présence dehors n'empêche pas l'évolution du dossier. Donc, pour le cas Jean-Claude Bouda, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre dans ce dossier-là, c'est que le juge d'instruction a certainement estimé que il était suffisamment avancé et que Jean-Claude Bouda pourrait donc avoir et bénéficier donc de cette liberté provisoire là. Le dossier suit son cours, à ce que je sache, et certainement que on verra les jours à venir. Mais j'ai aussi appris que les avocats de Bouda ont saisi la Cour de cassation. Sinon, on attendra cela. Et de ce que j'ai appris, c'est que quand ça va en cassation, la moyenne, c'est que on peut atteindre même 7 ans. Donc on attend de voir. Oui, Dieudonné. Bon, je ne sais pas. Il avait bénéficié, je crois, le 28 septembre dernier, d'une permission sanitaire pour un check-up. Bon, aujourd'hui, depuis le 22 octobre, il est en liberté provisoire. Je crois que bon, il nous a tout dit. Hein. Bon, c'est la justice. Bon, c'est un processus. Je crois que ça doit être légal ce qu'ils ont fait. On attend de voir. C'est l'autorité de la chose jugée. Bon, et généralement, on ne commande pas les décisions de justice comme ça, on n'entend pas. Surtout que on est toujours. On a quitté la cour d'appel, on est à la cour de. Bon, moi, je viens d'appel, je n'étais pas au courant. Vous venez de nous informer, merci, Yunus. Moi, je n'étais pas au courant que. Donc, moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire sur cette décision de la cour d'appel. Oui, les voisins de Dieudonné, Boukari Ouba, votre nom m'échappe. On va parler de la Guinée avec la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle où Alpha Condé vient en tête devant celui d'Alain Diallo, mais des résultats contestés par ce dernier. Oui, des résultats qui sont contestés et une contestation qui ne surprend pas véritablement. On peut regretter la manière dont celui d'Alain Diallo a procédé, donc en se proclamant vainqueur avant même les résultats officiels. Je crois que quand un opposant a fait un travail plus ou moins sérieux et scientifique et qu'il a compilé les résultats, on peut avoir cette patience-là d'attendre de voir ce que les institutions habilitées vont présenter avant de sortir ce qu'on estime être ses propres résultats, quitte à se baser sur ça pour demander qu'on recompte les voix. Même si on a vu dans certaines situations, ce genre de demande-là ne prospère pas. Je crois aussi que l'attitude de Selou est dictée par les précédents. Je crois que le véritable précédent dans cette crise que nous vivons aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé en 2010. On ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui sans se référer à l'élection de Alpha Condé en 2010. En 2010, une élection qu'on disait ouverte aussi, et au second tour arrive, au premier tour du monde arrive en tête celui d'Alain Diallo qui avait pratiquement remporté l'élection avec autour de 40% des voix. Et Alpha Condé avait à peine 20%. Sidya Touré qui arrivait troisième était autour de 15%.
Le second tour qui doit être organisé dans l'espace de 3 semaines. Et on a attendu 5 mois, s'il vous plaît, pour organiser le second tour de l'élection présidentielle. Et au résultat, on arrive avec Alpha Condé élu à autour de 52% des voix. C'est nous, Alain Diallo l'avait dit, je rumine ma colère. Et cette colère qui rumine depuis 2010, aujourd'hui, elle explose. Elle explose. Il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, moi, véritablement, je ne peux pas être surpris qu'aujourd'hui, le camp de Alain Diallo conteste donc, les résultats des jeunes parce qu'ils estiment qu'Alpha ne peut pas avoir cette majorité-là et surtout pas au premier tour. Et il faut compter avec cette organisation de la société civile et des partis politiques qui depuis plusieurs mois contestent déjà le troisième mandat de Alpha Condé. Et donc tous ceux qui étaient déjà dans la disposition de ne pas accepter ce troisième mandat de Alpha Condé, ces gens-là ne cherchent même pas à voir les résultats des urnes. Ça les importe peu. Eux, ils sont convaincus depuis le début que la constitution qui a été adoptée et qui permet à Alpha Condé d'être candidat pour la troisième fois, cette constitution, ils ne la reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas les élections, ils ne reconnaissent pas Alpha Condé. Donc, situation de course, on vit ce que nous avons aujourd'hui, à savoir une crise pratiquement. Oui, Dabadi. Oui, justement, effectivement, il faut dire que tout ce qui arrive aujourd'hui en Guinée n'est guère surprenant, hein, parce que ce soit la victoire de Condé, c'était prévisible. C'est clair que Condé ne pourrait pas organiser ses élections pour les perdre. C'est clair et net. Le processus a entraîné la mort de plus de 90 personnes. Si on ajoute les derniers, ça fait pratiquement plus de 100. Donc je pense que tout cela, ce n'est pas pour les beaux jeux des Guinéens, ce n'est pas pour se retirer plus tard. Donc il était dans une logique de se fabriquer une victoire, et c'est ce qu'il a fait. Il était aussi prévisible que les contestations auxquelles nous assistons aujourd'hui allaient avoir lieu, et ça va se poursuivre. C'est que peut-être l'inconnu ici, certainement, c'est le nombre de morts et l'ampleur que va prendre la contestation. C'est ça qui est l'inconnu. Sinon, le reste, c'était déjà du connu, comme on l'a dit. Et je pense que c'est dommage pour la Guinée parce que continuer de tuer les gens dans des situations pareilles, ce n'est pas beau pour un pays qui se dit démocratique. Mais c'est dommage parce que effectivement, oui, justement. Et je pense que les Guinéens se sont battus, au-delà même de Guinée, beaucoup d'acteurs se sont battus pour que ce monsieur soit libéré. Lorsqu'il subissait les fous de l'Ansana Conté. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de brûler son pays. C'est dommage quand même. Mais bon, le malheur, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les forces de l'ordre, voilà. Qui n'a jamais été républicaine, malheureusement. Voilà. Continue effectivement à tirer sur des pauvres innocents. Mais on se demande jusqu'à quand cela va durer. Est-ce que l'armée va rester comme ça dans cette constance, c'est-à-dire continuer à tuer les gens? Je pense que Condé doit aussi se dire une chose, toute chose a une fin. Parce que depuis son arrivée à aujourd'hui, si on fait le bilan, on est à plus de 200 morts. Je pense quand même qu'il doit se remettre en cause. C'est quand même trop comme nombre de Maccabées. Je pense que ces placards sont aujourd'hui remplis de Maccabées. Et il doit comprendre qu'à 82 ans, il n'a pas besoin de tuer les Guinéens pour cela. Mais tôt ou tard, il va partir. Mais de quelle manière, on ne le sait pas. Mais je pense qu'il aurait dû quand même travailler à sortir par la grande porte. Mais aujourd'hui, à moins que, en tout cas, ce soit un miracle, moi je vois mal ce monsieur sortir par la grande porte. Ça sera certainement par la petite porte. Parce que même l'armée aujourd'hui... Il a fini peut-être comme vous l'avez. Ah oui, même l'armée qui obéit aujourd'hui doit aller de ce monsieur, au lieu de se retourner contre lui. S'il ne le fait pas, s'il ne prend garde. Dieu et ça sera vraiment dommage pour ce qui se passe. Nous avons un envoyé spécial à Conakry et depuis vendredi, pratiquement, on n'arrive pas à communiquer. Parce que le téléphone est coupé, WhatsApp. Donc, bon, depuis vendredi que j'ai eu de nouvelles de mon envoyé spécial, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? Bon, peut-être qu'il faut reprendre ce que Jacques Chirac disait. Il faut bien que les dictateurs gagnent les élections, hein. Ben, sinon, ils n'en feront plus. S'ils font les élections pour les perdre, bon, ils vont pas les... Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, une victoire ensanglantée. Une victoire de Condé dans une Guinée en état de siège. Voilà, c'est dans une atmosphère quasi insurrectionnelle qu'il s'est dit auto en fait, que la CENI lui a octroyé cette victoire. C'est-à-dire, on a mis l'opposant
chose numéro un, en résidence chez Amdalaï, il était reclus Amdalaï. Bon, et que, maintenant, la CENI a pris 3 ou 4 jours pour remplacer les PV, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut appeler un chat, les PV qui donnaient, parce que les journalistes aussi aujourd'hui sont un peu pris à partir, parce que c'est quoi c'est la comptabilité des suffrages qu'ont fait les journalistes rejoignait à peu près ce que l'UFDG a proclamé. Donc, si on veut être chaud, les PV étaient affichés au cas où on ne parle. Or, justement, on a pris tous ces jours-là, on a emprisonné ces loups et on a petit à petit remplacé les PV qui donnaient alpha perdant par les PV qui le donnaient gagnant. Donc, on retourne à la case départ. C'est vrai que Condé a gagné les élections. Mais est-ce que le pays sera... Parce que cette fois-ci, le camp de l'UFDG a dit qu'ils ne vont pas desserrer les dents. Ils vont aller jusqu'au bout. Bon, ça va être vraiment un pays ingouvernable. L'armée, c'est la grande question. Alpha même le dit. L'armée ne fait pas de coup d'État là-bas. C'est toujours sur le cadavre d'un président que l'armée prend le pouvoir. C'est avec Sékou Touré, Lansana Conté a pris le pouvoir le 3 avril sur le cadavre de Sékou Touré. Et chose, Dadis a pris le 28 décembre sur le cadavre de Lansana Conté, mais il n'y a jamais de coup d'État là-bas contre un président vivant. Donc, bon, j'imagine que les gens ne vont, l'armée ne va pas encore aller déloger Alpha Condé au palais de Sékou Touré. On ne sait pas comment ça va donner, mais c'est vrai que la Guinée aujourd'hui est en train de toucher le fond. Oui, il nous a pour terminer. C'est vraiment triste pour Alpha Condé quand on regarde son parcours. Je crois que ses camarades de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France doivent déchanter et s'interroger vraiment sur ce que leur camarade est en train de faire aujourd'hui. C'est très triste qu'on continue en 2020 de tuer des gens pour pouvoir pérenniser son pouvoir. Mais ça nous interroge une fois de plus. Je pense que les Africains que nous sommes devons avoir le courage de nous demander si la démocratie telle que nous l'appliquons aujourd'hui est ce qu'il nous faut, notamment en termes d'élection, pour choisir nos dirigeants. Parce que la démocratie, comme certains le disent, à la limite, les élections, c'est le degré zéro de la démocratie. On n'a peut-être pas encore trouvé des mécanismes autres pour choisir nos dirigeants, mais je pense que nous devons nous mettre sérieusement. Quand on regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, et ce qui s'y passe aujourd'hui. Quand on regarde ce qui s'est passé en Guinée en 2010 et ce qui s'y passe aujourd'hui, on est dans un perpétuel recommencement. Et à un moment donné, il faut que les Africains aient le courage de s'asseoir et de se demander si les élections telles que nous les pratiquons aujourd'hui est la meilleure voie pour nous choisir des dirigeants quand on sait que chaque jour que Dieu fait, des gens meurent parce que d'autres ont la boulimie du pouvoir. On aura certainement l'occasion de revenir sur ces questionnements et se poser également la question de savoir est-ce qu'on a forcément besoin de la démocratie aussi pour se développer. Merci à tous les 4 d'être venus. Diedoné Zungrana de Aujourd'hui au Faso, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays, Inoussa Ouedraogo de Bendré et Boukari Ouba de Mutation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention et à très bientôt pour un autre débat des presse. Au revoir.